L'objectif de cette séance est de s'intéresser au traitement des questions socialement vives à l'école primaire. Leurs caractéristiques, évolution et adaptation, notamment ces toutes dernières années. Leur place dans le curriculum des enjeux et savoirs, notamment en cohérence, socle commun, contenu des programmes scolaires. Nous évoquerons la place du débat à l'école. Et enfin, nous nous intéresserons à un exemple de questions socialement vives traitées. À partir d'un compte médiateur. Les caractéristiques essentielles des questions socialement vives sont résumées dans cette phrase extraite des travaux d'Alpe et Le Gardèze. En fait, une question vive n'est considérée comme socialement vive que euh, lorsqu'elle touche un, un registre de phénomènes de société qui concerne directement l'individu. Dans le cas qui nous intéresse, l'élève, dans son environnement social et familial, dans et en dehors de l'école. Une question dite vive au sens où l'entend chevalard peut se transformer en question socialement vive si l'actualité s'en empare et si les médias en font une question porteuse de controverse. Quelle est la place des QSV dans les programmes scolaires? En premier lieu, dans les cinq axes du socle commun, de connaissances, de compétences et de culture, à savoir les langages pour penser et communiquer, les méthodes et outils pour apprendre, la formation de la personne et du citoyen, les systèmes naturels et les systèmes techniques, les représentations du monde et de l'activité humaine. En second lieu, dans les chambres disciplinaires, notamment les sciences et technologies techniques et les enseignements moraux et civiques domaines les plus porteurs, en ce sens que la culture scientifique visée permet de s'emparer des grandes questions de société de la façon la plus lucide possible. Mais c'est valable aussi en français, en histoire-géographie, dans le domaine des arts, de l'éducation physique et sportive. En fait, la polyvalence de l'enseignant du premier degré est un facteur favorisant de cette interdisciplinarité. Ces objectifs de formation sont tous complémentaires et concourent à développer l'esprit critique, et l'autonomie de jugement. Des quatre types de débats euh, identifiés de façon conventionnelle qui peuvent être pratiqués au sein de la classe, les deux qui intéressent plus particulièrement la question socialement vive sont, d'une part, le débat scientifique, et d'autre part, le débat dit avisé philosophique. La pratique que l'on privilégie est celle du débat dit réglé ou argumenté. Il s'agit d'une discussion entre plusieurs protagonistes sur une question. Controversé. Le débat argumenté obéit à des règles qui garantissent son cadre démocratique et le respect du droit de chacun d'exprimer son opinion. Dans son article de 2004, Enseigner des questions socialement vives, note sur quelques confusions Béton proposait ce tableau qui permet d'appréhender la différence de portée entre la question socialement vive et le débat scientifique. Les deux présentent une large portée épistémologique commune. Et offre le cadre d'une discussion sur une question controversée où chacun doit savoir maîtriser sa parole, laisser la place à celle de l'autre, comprendre les différents points de vue même sans les partager, et chercher à convaincre en créant un argumentaire. Par contre, les points de divergence portent sur les choix à l'initiative de la question, notamment éthico socio d'un côté, validables par les protagonistes et euh, s'appuyant sur des notions scientifiques vérifiables pour l'autre. Pour préciser la contribution du conte au traitement de la QSV, il me paraît important de donner la fin de la citation de cette citation de Google. Nombre de voyageurs spirituels, d'êtres un moment perdu, un moment trop seul ou simplement soucieux d'éviter un obstacle, vous et moi en somme, ont ainsi demandé à des contes du feu pour leur lanterne. Et les contes leur ont donné la lumière dont ils avaient besoin. De même, dans son introduction à la psychanalyse des contes de fées, Bettelheim indique, plus que tout autre registre de la littérature enfantine qu'il lui a été donné de fréquenter, les contes puisés dans le folklore ont cette richesse à enseigner les problèmes intérieurs de l'être humain et entrevoir leurs solutions. Et donc, de fait, le choix du conte et par extension l'histoire racontée à l'enfant se justifie parce qu'il est un magnifique outil pédagogique polyvalent. Il peut être support de réflexion, amorce de débat, il peut libérer la parole et provoquer des échanges. L'école qui a accepté de se prêter au jeu du traitement d'une QSV a été choisie sur plusieurs critères. Il s'agit d'une école rurale, des classes à multiniveaux, un panel d'élèves d'horizons sociaux très divers. Elle vient d'être récompensée par une labellisation E3D ce qui prouve la volonté de l'équipe éducative de mettre en place des actions et des projets, aussi bien avec une empreinte environnementale forte que des ancrages socio-culturels prégnants. Les enseignants ont mis en place au sein de l'école des espaces de parole liés à la vie de la classe, mais aussi à l'actualité. Un des projets récents de la classe de cycle 3, que nous appellerons pilote, 27 élèves de CE2-CM1-CM2, faisait une large part aux espèces invasives en milieu aquatique, écrevisses dites « à pattes rouges » et renouées du Japon. Je me suis donc appuyée sur ce dernier travail avec intention de faire émerger une possible question sur les introductions d'espèces. Il me fallait également un support qui soit le point de départ du débat et qui le stimule. Mon choix s'est porté sur l'album « Robin, l'écureuil du jardin », dont un premier niveau de lecture pourrait laisser croire que l'auteur s'inquiète de la prolifération de l'écureuil gris, espèce introduite, avec invasion de la niche écologique de l'écureuil roux. J'ai donc raconté aux élèves la première partie de l'album avec comme support visuel les images qui ont défilé dans le présent diaporama. Je me suis interrompue à un moment crucial de l'histoire et j'ai demandé aux élèves de réfléchir d'abord individuellement à un dénouement de l'histoire, puis à exprimer leur choix devant leurs camarades. Passer un premier cap d'écoute passive. Un premier débat s'est instauré qu'on pourrait qualifier de brut, qui a fait émerger les représentations des élèves et qui a donné des orientations possibles à l'enseignante, notamment identification de la question socialement vive, variation des formes de débat. Ce qu'on peut noter, c'est que dans cette région, les enfants n'avaient jamais été confrontés au phénomène de l'invasion des écureuils gris et ne connaissaient donc que les écureuils roux. Le débat n'est pas parti dans cette direction à part une ou deux timides incursions. Par contre, il y a eu plusieurs échanges sur les migrants, échanges très intéressants et fructueux, allant jusqu'à présenter des aspects quasi militants. Nous avons filmé le débat afin que l'enseignante puisse lui donner une suite. On peut noter qu'outre un intérêt interdisciplinaire indéniable, le débat en classe primaire sur les questions socialement vives permet à tous les enfants de s'exprimer et d'exprimer ressentis et émotions. J'emprunterai les mots de conclusion à Laurence Simoneau. Et ne l'oublions pas, ce type de débat met en jeu de l'affectif, raison et émotion s'entremêlent.